t'as du courage hein, de me parler comme ça. T'as vraiment le culot. T'as vraiment le culot de me parler comme ça. Hugo, c'est pas toi qui me suivais là pour sortir avec ma copine. C'est pas toi. C'est pas toi qui venais traîner à ma porte là. Chaque jour. Et aujourd'hui, je te donne Carole et tu me dis, c'est ma femme. Toi, t'es qui pour me parler de ma femme? À moi. Écoute, Hugo, vois, à moi. Vois, elle ne me touche pas. Tu me touches. Tu t'es même pas lavé, je crois. Deux jours sans dormir à la maison. Ça, tu t'es même pas lavé. Hé, Hugo. Tu te prends pour qui? Écoute, Mona Lisa, je te comprends. Je veux pas me mettre à discuter avec toi. C'est ta pote. Je pense que j'ai vraiment trop gobé, j'ai trop supporté et j'ai justement plus le temps de jouer à ça. Je me suis fait traiter de n'importe qui, humilié, insulté, et elle était prête à tout. Mais bon, je vois pas où est le problème. Mon absence, ma présence, ça fait quoi dans cette histoire? Bref, je pense que j'en ai vraiment assez quoi. Je veux pas me mettre à discuter avec toi. Justement, je pense qu'il faudrait que tu prennes encore le temps de trop écouter. Hein? Et puis voilà. Déjà, je pense qu'elle sera à l'aise, mon absence. Si je suis là, elle va m'insulter. Je suis pas là, ben, qu'elle en profite. C'est la vie. Mais Hugo, est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai présenté, Carole? Justement, je n'en dis qu'on vient pas, tu vois. Mais au lieu vraiment que tu t'intéresses de notre vie de couple, ça serait mieux que tu t'intéresses beaucoup plus sur ton mec. Le fameux Soulard, le... Elle ne parle pas comme ça. Le bon à rien, tu vois. C'est ma vie. Je te permets pas, au fait. Vis ta vie et tu me laisses. C'est ma femme. Ce qu'il y a de mieux, si vraiment tu te soucies de notre vie de couple, va conseiller ta copine et laisse-moi tranquille. Franchement, je te respecte beaucoup. Je pense qu'on va se limiter là. On fait comme ça, ok? Vas-y. Ne me touche pas comme ça. Arrête. Ne me touche pas comme ça. Bah. Mais je te dis, Hugo, je te dis, essaie de respecter ma copine. Essaye. Là, je vais chercher, je sais même pas les connards des bombes, je sais même pas si il est où. Là, Madame Facebook. On n'a pas droit à manger parce que je vais sortir, Madame Facebook. Oh. Mais il y a encore la nourriture là qui date de deux jours. Tu fais juste ta cellule. C'est bon, où est le problème? Et toi? Comment ça moi? Tu es dans ton Facebook? C'est interdit. C'est ça qui prend plus de place dans ton cœur que moi? Oh. Comment ça? Tu me fais une jalousie maintenant parce que je suis sur Facebook. Écoute-moi. Moi et Facebook, je veux juste que tu m'expliques bien. Moi et Facebook. Qui est allé au Congo t'épouser? Toi. Moi. Et bon, pourquoi lui, Facebook là? Ramène plus de place dans ton cœur que moi. Donc, c'est lui, Facebook. Qui t'a dit? Écoute-moi. Les jours où j'attrape les messieurs là, Facebook. Maintenant, monsieur est jaloux, hein? Jaloux de Facebook. Je vais le tuer. Ça te fait rire? Oh, c'est ridicule! Non, non. On est 14 heures. Je n'ai encore rien mis sous la dent. Mais tout est dans la cuisine. Il y a encore les haricots là. Tu fais ta semoule et c'est bon, tu manges. Il est où le problème? Comment? Moi, faire ma propre semoule. Vas-y, c'est bon.
tu vas allumer mon compte et puis tu vois. Ouais, moi aussi. Hé, vous dès là, je cherche votre ami. Hé, papa, ici c'est Paris, c'est pas l'Afrique ici. Donc tu rentres, tu peux faire ta semoule. Ici c'est Paris, oui. C'est pas l'Afrique. Mais oui. Donc, comme c'est Paris, la femme ne sait plus faire ses obligations. De la femme, les ménages, la semoule, parce que c'est Paris, donc... Et puis, tes haricots que tu dis là, c'est depuis tes jours que tu l'as fait. C'est encore mangeable, hein? J'ai goûté ça tout à l'heure, c'est encore bon. Comment il s'appelle Snake ici, ce Snake là? Il est où? Hein? T'es qui toi? Je suis la femme de Bombas. Et tu veux quoi? Et alors? Je cherche mon mari. Il était avec votre, je sais pas, il y a trois jours là, on l'a vu avec votre machin. Ça veut rien dire s'il était avec Snake en fait. Ça veut rien dire. S'il était avec Snake, c'est quoi le problème? Mais la dernière personne qu'on avait avec mon mari, c'était votre machin. Je sais pas comment. Viens, on va régler ça ici. Non. On va régler ça ici. Voilà. Parle pas des Snake comme ça là. Donc avec toutes les conséquences des haricots, lorsque ça prend du temps... Quelles conséquences? Le frigo est là pour conserver la nourriture. Tu vas supporter l'odeur. De quelle odeur tu parles? Ça sent bon? Oui, ça sent bon. Parce que c'est pas encore mangé, je vais manger ça et je vais le libérer. Oh. Mais c'est pas grave, tu prends le médicament et ça passe. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu restes comme ça. Écoute, on t'a déjà parlé de la femme qui était avant toi ici. Et alors? Elle c'est elle, moi c'est moi. Tu connais ça? Quoi? Non, ça, c'est quoi? N'essaie même pas. Tu connais le numéro 18? Hein? Tu connais? Non, t'as déjà pris les numéros, c'est ça. Allez. Regarde-moi bien, contemple-moi, admire-moi, de la tête aux pieds et du pied à la tête. Je te plais pas, moi. Regarde-moi bien. Si tu veux pas, même pour une nuit. Elle m'a dit, quoi, elle m'a dit, tout s'est basculé dans ma famille.
Et même mon père, il commence à trop croire à sa femme alors que sa femme le maltraite. Et même à la maison, elle ne fait plus rien. Elle se lève le matin, elle sort comme ça, elle ne fait pas à manger, elle ne fait rien du tout. Bah, écoute, bon, c'est vrai qu'à manger, je peux le faire, mais elle ne fait plus rien à la maison. Attends, Elstaber, attends, tu sais, si là, ça ne date pas d'aujourd'hui, tu m'en as déjà parlé. Mais moi, je peux te dire ça autrement, mais je voulais que tu me saches de toi, que tu me vois en fait, que tu vois comment ça se passe chez toi, parce que je t'ai déjà proposé. Ça fait déjà un petit moment quand même, tu vois. Je t'ai déjà proposé, je voulais te parler depuis longtemps. Et là, ça m'a fait un grand plaisir de dire, ah, je peux me retrouver là-dedans. Et là, ça fait plaisir. Moi, je te demande pas de mes mains. Offre-moi ton corps. Même pour cette nuit, s'il te plaît. Ça va aller, Doudji. Relaxe-toi. On en profite comme Vigny est parti au day, s'il te plaît. Meta. Non, on n'y dit rien. Ne dis rien, Luigi. T'es belle. Ne dis rien. T'as un joli corps. Arrête, Luigi. En plus, t'es boulouba. J'ai pas besoin de tes justifications. J'ai pas besoin de tes justifications. J'ai pas besoin de tes justifications. J'ai pas besoin de tes explications. Tu vois même. T'as pas peur de. Mais j'aurais bien voulu qu'on se pose tout tranquillement, qu'on se discute un peu par rapport à tout ce qui se passe. Mais j'arrive plus, je craque. La dernière fois, j'ai fait une dépression, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et mon père, il veut rien savoir et j'en ai marre, je me retrouve seule. Entre-toi, t'as mon numéro. Bah oui, mais bon. Alors après, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais bon, la dernière fois, je t'ai parlé et t'es parti, tu n'as pas réagi donc. Mais parce que tu savais très bien que ça m'énervait. Mais je me sentais seule. Tu savais très bien que ça m'énervait. Mais j'ai plus confiance en quelqu'un. Mais attends, je sais t'as plus confiance. Dis-moi là, je ne sors pas dans ce cas-là. Mais tu ne manifestes pas. Bah, attends, tu sais pas. Tu sais manifester. Bah, il faut bien que tu sois là aussi. Je suis là. Attends, parce que là, c'est dis pas que là, je t'intéressais à moi. Je t'intéressais pas à moi. Parce que là, c'était toi. À chaque fois que je te parlais, c'était toi. Attends, il y a mon père. Ah, il y a ma belle-mère, machin, nana. Tu me parlais que de ça. Je peux pas faire autre chose. Je peux pas dire d'autre. Donc voilà, toi, t'étais là. T'étais vraiment dans ton délire et tout. Donc voilà, moi, je te comprenais plus. Comment ça se passe parce que dernièrement elle est venue à la maison, elle parlait avec Mona Lisa et que tu ne reviens plus à la maison, tu viens plus. Qu'est-ce qui se passe au juste? Elle pleure, elle craque, c'est pas normal ça. Tu peux pas abandonner ton foyer comme ça, partir comme ça sans rien dire. Tu sais, je sais que c'est vraiment honteux que ça se passe comme ça, mais le problème c'est que en Europe, les femmes ont totalement oublié leur place dans la société, surtout dans la vie de couple. C'est vraiment compliqué pour moi et Carole. Arrivé à ce point, c'est parce que j'avais trouvé que j'en avais vraiment assez. Ces sacs partout là, il y a quoi dedans là? Oh,
c'est quoi qu'il a mis dans ces sacs-là gonflés? Mon Dieu. C'est quoi ça? Non, c'est pas ce que je pense. Cédric! Cédric! Maman! Viens! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi vous criez comme ça là? Ça, c'est quoi ça? Oh putain, c'est pas possible! Donne, précisément de ma femme. Il faudrait justement que tu restes femme africaine. J'en ai vraiment assez, j'en ai bavé par rapport au comportement que m'afflige Carole à la maison, voire même devant mes amis, mes collègues, je dirais partout. Je ne supportais plus et je ne supporte plus la présence de Carole. Voilà, j'ai vraiment été trop ridiculisé. J'en ai vraiment assez, quoi. Je pense que je veux juste qu'elle prenne leçon par rapport aux actes qu'elle a commis. Moi, je pense que je ne pourrai plus vivre avec Carole. C'est une leçon que je lui donne. Tonton, tu penses vraiment que la façon dont tu fais les choses, ça va arranger les choses? Écoute, je connais ma femme. Je pense que c'est la meilleure façon pour qu'elle comprenne. Voilà. Cédric! C'est pas possible. Donne-moi mes affaires. Non, mais attends, assis. Donne-moi mes affaires. Assis-toi là, on doit parler. Écoute-moi, comme les adultes. Ouais. Maintenant, je te considère plus comme un gamin. Vas-y, on parle comme les adultes. Écoute-moi très bien, mon chéri. C'est quoi ça? D'où vient ça? C'est pas à moi, ça. C'est dans ton sac? Ouais. Tu me dis, ce n'est pas à toi? C'est pas à moi. Regarde. Si ce n'est pas à toi, va remettre ça. Je veux pas de problème avec la police ici. Ben, il fallait pas fuir. Tu me demandes les trucs qui se trouvent dans ma maison? Ben, il fallait pas. Que je n'ai pas le droit de fouiller? Ben, vous n'avez pas. Vous n'avez pas le droit. Tu as de l'argent, c'est parce que je n'ai pas jeté ça dans la poubelle? Tu oses de me dire qu'il ne fallait pas que je fouille dans ton sac, dans ma propre maison? C'est ça. Hein? Ou pas? C'est pas un problème. Reste assis quand moi je parle. Si tu veux qu'on s'entende bien, tu restes assis. Assis-toi, moi je suis assis, toi aussi. Cédric, tu restes assis. Si tu sors, tu ne viens plus dans cette maison. Comment ça se fait, elle n'est pas là? En fait, elle est partie, elle m'a dit ce matin qu'elle est partie faire des trucs, enfin des documents en fait administratifs, comme elle est venue ici en Europe et tout. Après, voilà quoi. Pourtant, elle dit qu'elle allait être là à 14h, mais c'est bizarre. Elle, on compte pas sur elle, en tout cas, Ouais. Bon, bref. Ça sert à rien. Sinon, toi? Ouais, ça va bien. Ça va bien en tout cas. Et comment ta vie, explique-moi un peu ta vie amoureuse, c'est comment? Là, je suis célibataire. Comment ça, t'es célibataire? En fait, je viens de rompre là parce que elle est la meuf, je la supporte plus en fait. Elle est jalouse, tu vois des trucs comme ça, j'aime pas trop en fait.
me surveiller. Moi, je suis pas un enfant. Mm-hmm. Je suis pas un gamin de me surveiller comme ça. Donc, ouais, voilà, je comprends. Quoi. Ouais, c'est pour cela que je me suis dit. C'est quoi, t'as besoin de quelqu'un qui soit au courant? T'inquiète pas. Bah, quand Chloé elle est pas là, bah, je crois que je vais partir. On s'appelle en fait. Ouais, je sais même pas quoi faire. Ton père. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Mais qu'est-ce qu'il a encore? Là, en bas là. Il a fait quoi? Tu sais ce que j'ai un souci en train d'attendre là-bas, en bas. Sur ton père? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais comment on appelle ton père maintenant? Je sais même pas. Petit Bombasse. Ça veut dire quoi ça, Petit Bombasse? Tu me demandes? Il s'appelle Bombasse, il s'appelle Bombasse. Maintenant on appelle Petit Bombasse. J'en ai marre. Tu sais ça? J'en ai marre. Si ton maman. Mais j'en ai marre. Écoute. Pour bien m'expliquer. Écoute-moi ça, ça sert à rien. Je sais même plus quoi dire. Bon, tranquille, l'histoire. T'es déjà un grand garçon. Tu sais ça? Oui, je le sais. Ma chérie, excuse-moi, Fana. Donc, j'ai pas la tête. J'ai pas la tête. Donc, ce que je viens d'apprendre là en bas, donc ça m'a pris la tête. Écoute, essaie un peu de parler avec ton père. Tu sais ça? Vous êtes des grands garçons. Tu es déjà un grand garçon. Ton père, c'est déjà un grand. Mais donc, tu es responsable. Tu cries. Mon fils, je sais même pas comment t'expliquer. Essaie de parler avec ton père. Parce que là, moi, vraiment, j'en ai marre. Tu vois, j'en ai marre. Oui, mais toi, tu me dis d'aller parler. Tu vas voir, un jour, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Un jour, tu sais. Tu me dis de parler à mon père. Mais moi, je sais pas le truc, je sais pas les nouvelles. Il faut me dire, il faut être clair. Il faut me dire qu'est-ce que c'est qu'il a fait. Mais bébé, moi, je vais lui dire. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, c'est honteux. C'est honteux, je sais pas comment t'expliquer. Oui, nous sommes des Africains parce que je paie pas tout dur. Nous sommes des Africains. Je sais pas quoi te dire, mais essaie de parler avec ton père. Parce qu'un jour, tu risques d'arriver à la maison et de trouver les affaires de ton père à la porte.